Mais je peux vous dire que j'ai vu ma mère se battre. C'était une guerrière, une battante. Elle a toujours gardé le sourire. Elle est restée positive. Comme moi-même, je me disais, mais pourquoi elle, Seigneur? Elle n'a pas déjà assez souffert. Elle, non. Elle a toujours gardé ses yeux fixés sur Dieu. Et au moment où elle a malheureusement commencé à perdre ses cheveux, eh bien, mon deuxième fils, il a décidé qu'il voulait lui aussi couper ses cheveux comme mamie pour soutenir sa mamie. Il avait que 5 ans à l'époque, hein? Donc on était, on était surpris par sa décision, mais on a dit ok, d'accord. Donc on l'a emmené chez le coiffeur. Le coiffeur aussi a été surpris, mais bon, il a fait, il a coupé, il n'a pas tout enlevé, il a laissé un petit peu. Mais quand on lui a demandé, alors tu es content, tu es comme mamie maintenant, il a dit non, parce que mamie, elle n'a plus de cheveux, mais moi, il me reste encore un petit peu. J'étais là, mais voilà quoi. Le soutien de la famille, c'est important. Ma mère me l'a répété que ça aide à avancer. Alors aujourd'hui, je veux encourager toutes celles et ceux, parce que les hommes aussi peuvent avoir le cancer du sein. Je ne savais pas ça, j'ai découvert ça. Alors je veux encourager toutes celles et tous ceux qui passent par cette épreuve. Tenez bon, vous n'êtes pas seul. Dieu, il est là avec vous. Quand on est faible, lui, il est notre force. Quand on perd espoir et on se demande pourquoi, il est là. Il nous redonne l'espoir. Il nous aide à nous relever. Donc je veux t'encourager. Garde ta foi en Dieu et garde tes yeux fixés sur lui.